trajet, vous faites le tour des coupelles au bout pour venir vous placer dans votre colonne. D'accord? Au fur et à mesure, il y aura les montées de genoux, footing, et on revient. Un petit circuit juste de mise en route. Donc tu vas vous croiser au bout. Vous avez le temps. Ça va. Tu ne dois pas t'arrêter, Anna. Tu dois être toujours en mouvement. Vous démerdez. Le ballon, il arrive là où vous êtes. Tu continues. Flamme, tu viens. Claque, ça tombe. Là, tu enjambes. Donc là, l'idée, d'accord, c'est le gain du ballon par le soutien. Dans l'attitude, c'est une main sur le ballon. Pourquoi? Parce que quand on vient nettoyer, des fois, il y a un pied qui touche le ballon, ça gêne. Et la main qui vous protège la tête. Et dans la chute, c'est protection maximale du ballon. Ensuite, au niveau du plaqueur, il va être très vigilant sur celle qui reste collée à la fille 2 heures. Donc vous plaquez, quand vous avez mis au sol, c'est-à-dire dans la règle, vous en sortez rapidement. Tu sors pas de la zone de plaquage. Il faut que tu sors. Il est 9h05 puisqu'on avait démarré un peu plus tard. Prenez du temps pour les étirements. Bien joué. N'hésitez pas à parler, surtout celle qui vient de loin, celle qui vient de derrière. Si elle est bonne, il faut gueuler. Hein. Et puis, on n'a pas fixé. À moi, balle, n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais si elle est bonne, si la première a fait son boulot en fixant le premier défenseur, c'est pour celle qui est derrière que d'accord, alors quand ça va marcher. D'accord. Et après, on finit sur l'extérieur avec la dernière qui arrive en sortir au tout. Ok. Merci. Pas à toutes.